ça va? Ça va, merci. Allez, une petite routine aujourd'hui pour les élèves spécifiquement de la danse. Une routine de renforcement musculaire qui est utile pour les cours de danse et que vous pouvez faire tous les jours et sans modération. Allez, on s'installe au sol. On se place pied contre pied. Un grand dos droit, on met les mains sur les chevilles. On a un dos que l'on étire contre un mur. On a le poids du corps bien droit. On n'a pas le dos en avant. Le dos contre un mur également. On rapproche les talons de son pubis. Et avec un grand dos, on tire les genoux vers le sol. Alors les enfants me disent, on fait le papillon. Alors oui, faites le papillon, mais ne vous envolez pas, restez avec moi. Je reviens vers vous. Voilà, une fois que vous avez fait votre papillon, vous respirez, vous soufflez, un grand dos droit et les épaules basses. À ce moment-là, vous allez mettre vos coudes au niveau des genoux, vous pressez vos coudes sur les genoux et vous descendez avec un dos pour rapprocher vos genoux du sol. Et là, vous sentez que ça commence à vous étirer. Commence à tirer au niveau des hanches. Alors on continue. On y va, on tire, on tire, on tire, on souffle. Parfait, on revient avec le grand droit et on recommence, toujours vers le sol. Vous pouvez peut-être rapprocher un petit peu le talon du pubis et grandir encore votre dos. Voilà, tirez, voilà, essayez. Sol, vous continuerez comme ça au moins autant jusqu'à 20. Nous on est arrivé à 20, hein, Roxane, on est arrivé à 20. Alors on replace ses coudes sur les genoux et en avant. Un grand dos loin en avant. Le dos bien rond et vous appuyez bien, 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 bien. Voilà. Et là aussi, vous montez jusqu'à 20. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse, on va mettre les mains derrière. Pour l'instant, on ne va rien changer aux jambes, on va juste essayer de se rapprocher. Les pieds sont toujours ensemble, pied contre pied. Voilà. Et on se promène, genou à droite, le genou à gauche. Voilà, quand vous avez terminé ça, alors vous attrapez vos pointes de pied et vous mettez vos deux pieds flex, comme si vous étiez dans un grand plié en première position. Les mains toujours derrière le fessier, vous levez votre fessier et vous essayez de rapprocher votre pubis des talons tout en descendant les genoux dans le sol. Tout un programme, n'est-ce pas? Regardez, je me mets de profil. Voilà. Et ça, c'est pour travailler votre endroit. On commence tout de suite fort, n'est-ce pas? Allez, on descend à droite et à gauche. Voilà. Alors là, on le sent beaucoup plus au niveau de l'intérieur. Au niveau des adducteurs, est-ce que c'est exact? C'est exact. Voilà. Et vous essayez de vous rapprocher aussi de vos talons. Voilà. Voilà. On relâche un petit peu. Et puis on reprend. Voilà. Pour faire une routine correcte, vous reprendrez au moins 4 fois. Voilà. Parfait. Posez vos fesses. Et maintenant, vous allez ouvrir vos jambes. Vous placez vos pieds bien larges. Sur une ligne avec les deux genoux fléchis et vous mettez les mains au niveau des chevilles. Vous avez un grand dos droit et les coudes au niveau des genoux. Et avec les coudes, vous poussez les genoux en arrière. Votre dos est droit. Voilà, les deux pieds sur une ligne et votre dos est droit. Et vous essayez de pousser, pousser, pousser vos genoux en arrière en appuyant sur vos pieds. Vous maintenez bien un grand dos droit. Voilà. L'idée, c'est de continuer de forcer ici dans les adducteurs. Et je pense que Roxane, tu le sens, n'est-ce pas? Voilà, super. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va arrondir son dos. Voilà, arrondissez votre dos. Et avec les coudes, ben, poussez deux plus bas vos genoux. Voilà. Super. Allez, on est avec toi. Et on met le dos droit, encore une fois. Allez, on tire. Vraiment, action sur les coudes et le dos grand, toujours grand. Gardez bien vos deux jambes sur la même ligne, hein, si vous tracez un trait, on les rejoint. Voilà, maintenant, retournez en avant et n'hésitez pas, quand vous allez en avant, à vraiment pousser un peu plus fort vos genoux en arrière. Je veux vraiment que vous sentiez la différence dans l'intérieur de vos cuisses, c'est-à-dire dans vos muscles adducteurs.
Allez, on se redresse et on revient pied contre pied. Merci. Bien, pour la petite séquence d'abdos, placez vos pieds contre pied. Maintenant, vous pointez vos pieds, vous poussez vos talons en avant et vous avez un condo droit. On est vraiment en appui sur les ischions. Parfait. Serrez ici votre ventre et placez vos bras en première position pour regarder loin devant vous. Inspirez et on va souffler. Et on va poser le bas du dos au sol, on y reste. Les bras sont toujours en première position devant le nombril, on reste 1 et 2 et 3 et 4. On descend dans le sol, 1 et 2 et 3 et 4. On remonte la tête et les omoplates, 1 et 2. Soufflez bien, 3 et 4. Et on remonte, 1 et 2 et grande, 3. Encore une fois, il reste 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, on remonte, 1, 2, attention, tenez bien vos pieds, vos genoux ouverts, 3, 4, et on remonte, et 2, et 3, grande, encore, et 1, et 2, et 3, et 4, en bas, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, on est remonté jusqu'en haut, 1, 2, 3, une dernière, et 1, 2, 3, 4, on va serrer bien le ventre, avalez le nombril, 2, 3, 4, remontez en pressant sur le ventre, 1, 2, vous allez toujours par lâcher vos pieds, vos talons en avant, 3, 4, et 1, et 2, et 3, on va lever la jambe droite en attitude devant, on garde bien le bas de jambe parallèle au sol et on descend 1, 2, 3, 4 jusqu'en bas 1, 2, 3, 4 on remonte 1, 2, 3, 4 et jusqu'en haut 2, 3, changez tout, change en gauche et 1, et 2, et 3, et 4 en bas et 1, et 2, et 3, et 4 on remonte 1. Et 2, que la tête et les épaules, 3, et 4 jusqu'en haut, 1, et 2, et 3, on pose, on change à nouveau, 1, et 2, et 3, et 4, en bas, et soufflez, et 2, et 3, les bras suivants, on remonte, 1, et 2, creusez, creusez, baissez vos épaules et remontez, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, creusez, 3, et 4, en bas, et 1, et 2, et 3, et 4, on remonte, serre le nombril, et 3, et 4, et remontez, et 2, et 3, et 4, on peut relâcher pour ça. Si vous voulez, on peut faire une petite série de muscles, ça ne vous fera pas de mal. On continue de travailler ses abdominaux, mais aussi l'intérieur de ses cuisses. On se place donc allongé, le dos au sol, en cinquième position, la jambe droite devant, et on met ses deux bras en première position. Donc, devant le nombril, on baisse bien ses épaules, on inspire le nombril et on va effectuer des petits battements avec la jambe du dessus. On y va, on en fait 12 d'un côté et on en fera également 12 de l'autre. C'est parti, je compte Roxane devant toi. Et 1, et 2, et 3, et 5, et 6, et 7, et 9, et 10, et 11, et 12. On change à gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. On change et cette fois-ci, on lève la tête, la même chose. Et 1, et 2, et 3, et 4, très bien. Et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. On change de côté. Et 1, et 2, gardez bien la jambe tendue. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12. On change, on pose et on relâche. Les jambes tendues, les talons s'y touchent, on est en première position, tendez vraiment fort vos genoux, pointez vos pieds, mettez vos deux mains ici, devant vous, et vous inspirez le nombril, vous posez le front sur les mains, vous inspirez, vous poussez, vous tendez vos bras, et vous levez votre buste, on serre bien ses fesses, on reste là, on baisse bien cette épaule, on a la poitrine haute, attention, serrez bien dans votre ventre parce qu'on va ouvrir les bras en seconde position, c'est la forme, on commence à brûler, 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 et on va chercher une première position dans son dos. On monte de plus belle. On tire et on tend ses genoux. On reste 1 et 2 et 3 et 4. Et on descend. Et 2 et 3 et 4. On monte 1, 2, 3, 4. On ouvre 1, 2, 3, 4. Les bras
3. Essayez de décoller les jambes le moins possible et on se pose. 2, 3, encore et 2, 3, 4 et on ouvre 1, 2, 3, 4 et on serre 1, 2, 3, 4 et on se pose. 2, 3, 4 encore 2 fois et 2, et 3, et 4 et on ouvre et 2, et 3. Et 4, serrez le nombril et remontez un peu plus fort. Et 1, et 2, et 3, et 4, et on descend. Et 2, et 3, et 4, dernière fois, pousse. 2, 3, 4, et on ouvre. 1, 2, 3, 4, et dans le dos. 2, allez, aspirez le nombril et remontez un peu plus fort. Et 1, et 2, et fait serrer. 3, et 4, et on se pose. Ok, poussez sur vos mains, pliez vos genoux. Grande jambe sur le ventre, à petite hauteur. Donc, vous êtes installé en première position. Vous avez vos deux bras qui vont passer à la seconde. Voilà. Vous avez le pouce de vos doigts au sol. C'est bien votre fessier. On va commencer avec la jambe droite. Vous gardez deux pieds pointés du coup. Et montez le bras derrière. Et 1. Et 2. On ouvre 1. Et 2. Et on referme. Restez bien le bassin dans le sol encore. Et 1. Et 2. Et on ouvre. Et 2. Et on ferme un peu plus vite en 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Restez le bassin en place 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Continue. Regardez le bassin qui reste bien en place. Et 1 et 2 et 1 et 2. Le dernier 1 et 2. Elle va changer de côté à gauche. Et 1 et 2. Et 2, maintenez bien votre talon, et 1, et 2, et 1, et le talon dans le sol, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, le dernier, et 2. 2. Progresser au consentement.